Eh bien salut tout le monde, c'est Placoz HD et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Donc il y a pas mal de gens qui m'ont demandé dans ma dernière vidéo en message privé de faire une vidéo dessus. Donc je ne suis pas sur mon PC actuel parce que mon PC actuel n'arrive même pas à faire tourner le 2 simplement sans fraps. On va dire que ça va être un peu compliqué de faire des vidéos dessus. Donc je suis sur mon PC, on va dire que j'ai eu avec le PC... Le PC que j'ai eu avec le lycée, hein, c'est mieux. Mais le seul problème, c'est que je l'ai donné à mes parents, voilà. Parce qu'ils en avaient un, mais ils étaient pour avoir encore plus que celui que j'ai maintenant. Apparemment, il arrive à faire tourner Euro Truck Simulator 2 plus Fraps avec une fluidité, avec de la fluidité. Donc franchement, je suis surpris. Donc je vais essayer de faire mon possible pour récupérer ce PC pour proposer des nouvelles vidéos. Donc on va directement partir en conduite à direct. Donc j'ai déjà sélectionné une marchandise. Je ne sais pas du tout où on va. Hein, je vais être honnête avec vous. On va regarder ça ensemble. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Parce que je pense qu'il y aura beaucoup de boulot avec le rendu et tout ça. Donc on va... On va où? Je ne sais pas. Comment on fait? C'est pour savoir où on va, s'il vous plaît. Ah, F6. Alors, on a en marchandise, on a des tubes de ventilation qui pèsent 12 tonnes apparemment. On doit aller à Düsseldorf. Je suis pas allemand, désolé pour la prononciation de merde. C'est pas grave. Voilà. On doit être à Düsseldorf. Et on doit aller à FCP apparemment. Moi, si je comprends bien. Annuler la mission actuelle. Non, je ne veux pas annuler. Comment on fait pour remettre transparent le bordel? Oh, ça va m'énerver. Oui, je veux bien le GPS. Excusez-moi si vous entendez des bruits là, son putain de chien. C'est à fermer sa gueule là. Parce que oui, du coup, je suis dans le salon. Vu que le PC est là-bas. Putain, oh là là. Bon, c'est parti, on y va. Allez, let's go. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, c'est assez fluide encore. Hein. Donc pour ceux qui se poseraient la question de comment je n'ai pas de volant, non, je n'ai qu'une souris. Voilà, je n'ai qu'une simple souris, je conduis le volant avec. Bambou, tais-toi, merci. Parce que j'ai le chat qui s'appelle Bambou le chien Patou, bref, s'en fout de ma vie. Donc voilà, je ne suis pas un super pilote, hein, comme vous pouvez le voir. J'essaie vraiment de rester à droite, mais ça va être dur, surtout en parlant. On n'est pas très concentré sur tout ce qui se passe. Bon, voilà. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, n'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Attention, petit reniflement. Bah, excusez-moi, vraiment, excusez-moi. Je sais que ça, c'est pas en vidéo, mais j'avais un peu à boucher. Voilà. Donc, voilà. Je tenais juste à, ouais, voilà, à vous dire que donnez votre avis dans les commentaires. Au niveau du jeu, machin, si vous avez quelque chose que vous voulez rajouter, par exemple la radio, je sais qu'il est allié, mais je sais pas, moi personnellement, je préfère que vous entendiez ma voix qu'un bruit de fond avec la radio, quoi. Je trouve ça, je sais pas. Après, si vous voulez, moi ça me dérange absolument pas de mettre la radio, sachez-le, ça me dérange absolument pas. Vous pouvez très bien me le demander, je la mettrai, il n'y a vraiment pas de souci. Je ferai ce que vous me direz. Voilà. Je ne suis pas insoumis, mais je ferai ce que vous me direz. Parce que les abonnés sont rois, c'est grâce à vous que j'ai la motivation. Enfin, oui, grâce à vous que j'ai la motivation, même si vous n'êtes pas tout le temps actif. Enfin, ceux qui regardent mes vidéos souvent, je vous en remercie vraiment du fond du cœur, mais il faut se l'avouer que sur 160 et quelques abonnés, avoir, par exemple, sur ma dernière vidéo, je crois que je sais pas combien j'ai de vues, mais c'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà, donc ceux qui me suivent, hein, ceux qui regardent vraiment mes vidéos, je vous remercie. Ça fait vraiment plaisir et je continuerai. Enfin, plus il y a de gens qui s'abonneront, etc., je continuerai encore et encore et encore jusqu'à que je meure. Non, quand même pas, mais voilà, je continuerai vraiment jusqu'au bout. Quitte à me faire connaître ou pas connaître, je m'en fous. Comme un ami m'a dit sur Twitter, n'abandonne pas ta passion, continue. Alors une grosse dédicace à lui, il s'appelle Skins, je mettrai sa chaîne dans la description, vraiment allez-y faire un tour, c'est vraiment une chaîne superbe,
Il fait de très très belles vidéos. C'est un mec très sympa. C'est un mec génial, quoi, simplement. Bref, grosse dédicace à toi, mec, et merci pour ce message qui m'a donné envie de continuer. Voilà. Il avance lui ou quoi avec sa Fiat là? C'est bien joli là, mais on a 40 les mecs là. Allô? Il faudrait peut-être avancer là, s'il vous plaît. On se dépêche, allez hop hop hop. Allez. Et je vais finir par doubler avec mon poids lourd, ils vont rien comprendre là. Allez. Ah, mais enfin, ils décident quoi. Ça, c'est pas trop tôt, les mecs. Est-ce que je peux jeter un coup sur le timer? Timer, s'il te plaît. Timer, s'il te plaît. Timer, s'il te plaît. Ok, alors j'ai mis 15 minutes de vidéo. Donc j'ai mis un minuteur, hein, j'ai pas mis un chronomètre. Donc ça fait déjà. Attendez. Oula, je regarde vite fait. Je vais mettre un régulateur de vitesse sur top. Voilà. C'est pour le régulateur de vitesse pour ceux qui ne connaisseraient pas. Alors, 1, 2. On a fait 6 minutes de vidéo à peu près. Si je me trompe pas. Bon bah écoutez, on va continuer jusqu'à 15 minutes. J'ai mis 15 minutes le minuteur, donc wow. Pour commencer, on va faire une vidéo de 15 minutes. Et puis je pense qu'on va rester sur les petits courts épisodes comme ça, parce que je pense que si on continue, enfin si je continue, si je fais plus, ça me demandera plus de boulot pour le rendu. Ça sera plus de souffrance pour le PC, même s'il arrive à faire tourner frappe, c'est le jeu en fluidité. Faut avouer quand même que c'est moche, un peu, hein. On va pas se le cacher. C'est un peu moche, mais il galère quand même, hein. Vous remarquerez qu'il a quelques frises des fois. C'est assez dérangeant, mais bon. Heureusement que c'est très très rarement, on va dire. Bordel, tu vas avancer avec ta putain de charrette de merde là? Oh là là, oh, je vous jure. Avec ta Fiat Punto là. Regardez ça, putain, mais avance! Avance, putain! Oh là là! C'est incroyable ça, possible. Oh là là. Je vais arrêter de dire oh là là parce que. Oh là là. C'est abusé. Bref. J'ai arrêté de faire le con et être un minimum sérieux pour ma première vidéo. Oh, et puis non, tiens. Allez hop. On met haut. Mais ça va un peu là, mais hein. Faut se calmer les mecs là-haut. C'est quoi ça? Je suis sûr que c'est toi là, hein, avec ton camion là. Hé hey, collègue, elle va plus vite un peu. Alors voilà comment doubler. Toute une orangée. Écoutez, c'est magnifique. Elle vient de doubler, je sais pas combien de voitures. Sur un passage. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, sur les. Enfin, j'ai un trou de mémoire. Je sais plus comment ça s'appelle. Un passage. Ferreux? Non. Bon, un passage, il y a le train qui passe. On va dire ça comme ça. Oh là 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 là, lag, lag, lag. Oh putain. Oh, les réflexes de molette que j'ai eu de tourner la souris, franchement. Excusez-moi si je parle un peu du B, bébé, du nez. J'ai le nez un peu bouché là, je sais pas pourquoi, je viens de me lever, il est 9 h du matin. Je me suis direct précipité sur le PC, voir si les deux tournaient, si les frappes c'est le jeu de tournée. Et quand j'ai vu ça, je m'en bats les couilles, je déjeune pas, je m'en fous, je meurs, je vais faire une vidéo. Donc voilà. Oh putain, faut changer. Oh, il y a une station essence pas loin là. C'est bueno tout ça, c'est bueno. Parce qu'on va dire que j'en bousille quand même de l'essence, hein. J'en bousille, excusez-moi pour le reniflement. Hop, on va tourner. On va tourner. Voilà, on l'a tourné. Pour le client, moi personnellement, j'ai mis. Vous dis mes commandes que j'ai changées. Personnellement. Voilà, bah, W déjà pour le moteur. Pouf, je l'éteins à la place de E. A, c'est pour tourner la tête à gauche. Et E pour à droite. Et ensuite, je recalibre à peu près vers le milieu. Voyez? Voilà. Ensuite, le clignotant, je l'ai mis clic gauche, c'est clignotant gauche, clic droit, c'est clignotant droit. Voilà, c'est tout ce que j'ai changé. Donc, on va mettre de l'essence. On s'en bat les couilles. On remplit le réservoir. Parce que ce n'est pas nous qui payons. Et oui, il faut le savoir au début, quand on n'a pas l'entreprise, c'est pas nous qui nous. Enfin, qui payons l'essence. Voilà. C'est couvert par le patron. Voilà. Donc on va hop. Vous voyez, ça va être écrit là, attention en bas à droite. Voilà, vos dépenses carburant sont couvertes par votre employeur. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc voilà. Donc voilà. On va continuer. Il nous reste 120 km. On va dire que c'est assez beaucoup. Ah hein? Donc franchement, ça va. On va y être en 8 minutes.
Bon, on va dire qu'on va faire le trajet, on s'en bat les couilles des 15 minutes que je me suis fixé. Excusez-moi du bruit derrière, si vous entendez, c'est mon chien qui s'amuse avec ses jouets. Putain, qu'il est pas de couilles. Voilà, là c'est obligé, je l'avais entendu. Il est vraiment pas de couilles quoi. Il faut qu'il se mette à faire des conneries, puis le moment où je suis en vidéo, voilà. Hein? C'est. Voilà, ça m'énerve. Moi, non, je le dis, ça m'énerve. Oui. C'est chier. Je sais pas si vous avez des chiens ou. Mais... Ah là là, j'ai un chien, un chat. Encore le chat, il se tient tranquille, il dort, mais le chien, pff, il n'en peut plus quoi. C'est vrai qu'il a la rage, des fois je me demande. Enfin bref, on s'en bat les couilles de ma vie. Hein? Voilà, ça c'est fait. Le mec qui s'auto-clash, oui, ça existe. Bah quoi dire d'autre? C'est vrai que c'est assez difficile de trouver un sujet en conduisant sur Euro Truck 2. Voilà, je viens de répéter ce que tous les gens disent quand ils font des vidéos d'Euro Truck 2. Voilà, je viens de répéter ce qu'ils disent à chaque fois. C'est difficile de trouver un sujet quand on conduit, mais c'est la vérité. Écoutez, c'est la vérité. Donc c'est vraiment chaud de trouver un sujet sur lequel parler en même temps de faire une vidéo. Mais bon, hein. Je vais parler avec ma boisson suelle, comme ça. Et je vais vous parler tout en conduisant. Je suis sûr que vous aimez ça, là, hein. Bon, arrêtez de parler comme ça. On va y aller. Il reste 76 km. Oui, monsieur. En gros, ouais, il reste. Allez, 5 minutes. 5 minutes et ça sera fini, quoi. Bon, ça va, hein. C'est pas. Je me demande, oh, c'est moche, franchement c'est moche, vu comme ça de loin c'est moche. Bon écoutez, hein, j'y peux rien. Si je mets un peu plus, si je mets, là je suis en qualité la plus merdique possible. Si je mets en moyen, il y aura quand même pas mal de lag. Donc pas non plus des masses, mais pas mal de lag. Bah, j'essaierai pour le prochain épisode de tourner en moyen. D'habitude je joue en moyen, sans frappe, et ça lag pas du tout, pas un pet. Et quand j'ai frappe, malheureusement, avec quelques saccades, bon, ça fait chier, mais j'essaierai la prochaine fois de régler frappe. Parce que là, je l'ai un peu fait à la wallgame. Parce que frappe, j'ai fait comme bon me semble, j'ai mis 29,87 FPS. Hein. J'ai mis des trucs un peu à la zeub, mais bon, ça a l'air de marcher. Enfin, après, la qualité de. C'est pas la qualité de frappe hein, qui est dégueulasse. Ouh, je viens de cracher sur le. Je viens de postillonner sur mon PC, c'est marrant ça. Ouais, la qualité de frappe, c'est pas frappe, hein, c'est le. Franchement, c'est le jeu qui est dégueulasse. Parce que je l'ai mis en sous-merde. En qualité sous-merde. Je sais pas si ça existe, mais je trouve plus le mot. Voilà, en basse qualité. En qualité sous-merde. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà, on va être arrivé. Désolé pour les E aussi, je sais pas. J'ai plus rien. Excusez-moi. Oh putain, hé, hey, oh! Je vais se calmer le chien là, putain. Je suis vraiment désolé, franchement, je suis vraiment désolé. Je vais essayer de régler ça pour le prochain épisode. Je vais le foutre dehors à coup de pied au cul, il va comprendre ce qui va lui arriver. C'est chiant les animaux, franchement. C'est mignon, qu'est-ce que c'est mignon, mais qu'est-ce. Qu'est-ce que c'est chiant. Moi, je risque de griller un feu rouge, voilà, il y a du monde. Non, toi, tu tournes pas. Voilà, hein? Bonjour? Comment ça va? Ouf! Oh, j'ai cartonné une voiture. On bat les couilles, je trace. Voilà. Ce n'est pas mon problème. Oh, je l'embarque. Regardez derrière. Oh, je l'embarque. Voilà. Et je n'ai eu aucun dégât. Aucune remarque. C'est magnifique. Oui, monsieur. C'est magnifique. Voilà. Je tiens juste à le dire. Je suis content. Voilà. Bon. On va être arrivé. 29 km. Je ne sais pas si je vais essayer de mettre la remorque, enfin, vous savez, derrière la remorque, parce que je suis vraiment une merde. D'habitude, je vais 3 plombes à la mettre. Donc, on va pour le premier épisode, je vais faire entrer directement. Et si vous le souhaitez, vous mettez dans les commentaires, oui, essaye de la galérer la remorque, ça peut être marrant de te voir galérer comme un bâtard. Et je le ferai. Voilà, j'essayerai de faire mon possible pour garer cette fucking remorque. Et on verra bien comment ça se passera. D'habitude, ouais, en solo, je mets quoi? Je mets, allez, de 2 à 5 minutes pour gagner une remorque. Oui, je sais, c'est long. Enfin, c'est long. Voilà. Oh, comme vous pouvez le voir en bas à droite sur le GPS, on voit ma destination qui s'approche tout doucement. C'est Düsseldorf, je sais plus comment ça s'appelle déjà. Düsseldorf, je sais pas, parce qu'il y a le gros F5 qui cache le nom. Je sais que ça commence par Dus, mais après je sais pas. Voilà.
Du. Ça, c'est Düsseldorf, apparemment. Si j'ai bien réussi à lire. Bon, lui, là. Je sais bien que ça fait quelque chose de commas à l'arrière, mais quand même. Ah, mon timer annonce que c'est la fin de dépasser 15 minutes. Je sais pas si vous entendez, moi je vais l'arrêter. J'ai dit, je vais l'arrêter. Voilà. Heureux tout le monde, je suis désolé, j'ai eu un petit bug. Et comme vous pouvez le voir, Skype a. Skype. Frappe a bugué et je me suis retrouvé contre la barrière. C'est magnifique! Voilà, c'est Düsseldorf. Voilà. Et le chien arrête de gratter au carreau, je vais t'en mettre une. Oui, c'est bien, viens me voir. Viens. Viens, voilà, viens. Non, mais viens pas trop non plus. Voilà, reste là. Voilà, va te coucher, c'est bien. Non, les carreaux. Et les carreaux là. Oh, c'est qui nettoie là? C'est pas moi non plus. Qui va gueuler après, hein? Je me tape un triple là. Oh là là. Eh, lui, il est passé à ras du cul de mon pare-choc avant, ouais. Alors. Where is the. Oh, elle est là. Bon, on tourne. Bonjour. FCP. Ah non, FCP, c'était le nom de l'entreprise. D'accord, autant pour moi, excusez-moi. Voilà, stationnement automatique, on va faire ça. Voilà. Donc, entrée. Voilà, mission accomplie, mon travail. J'ai dû faire de la merde à un moment. Parce que mon travail, voilà, c'est des dégâts que je me suis pris à cause du fail de Fraps. C'est super. Voilà. C'est super. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne une bonne fin de matinée, une bonne après-midi, une bonne tout ce que vous voulez. Tout ça dépendra à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est des pouces verts. Bref, je vais pas m'épiloguer là-dessus. Tous les youtubeurs font ça, hein. Je pense que ça va être gavant pour vous parce que ça l'est pour moi. Voilà. Sur ce, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Thank you.